maman. Ouais, je la vois. La feuille. Bon, il est quelque part là? Bah, je pense, mais il se cache. Il a pas son téléphone, donc quoi qu'il arrive. Tous en... Solennellement, vous allez être présenté à votre drapeau, et pour certains d'entre vous, ce sera la première fois. C'est à vous, nouveaux Brussians, que je m'adresse aujourd'hui tout particulièrement. Cette cérémonie marque symboliquement votre appartenance au Prytanée national militaire. Ce drapeau, c'est notre emblème, à tous, anciens ou jeunes Brussians. Mais également à vous tous ici rassemblés, civils et militaires qui œuvrez au quotidien à pérenniser la longue et belle tradition d'enseignement du Bahut.
Les couleurs de notre drapeau sont celles de notre pays, qui consacre un effort conséquent, en particulier financier, à votre formation. Bruchion, soyez donc reconnaissant et respectueux envers lui pour cela. Mesurez également la chance qui est la vôtre de recevoir un enseignement de qualité dont beaucoup d'enfants de par le monde sont malheureusement privés. Dans les plis de votre drapeau sont inscrits Britannée nationale militaire, nom donné depuis 1808 par l'empereur Napoléon Ier à notre établissement. À l'envers figure la devise honneur et patrie, comme sur l'ensemble des drapeaux et étendards des armées françaises. Votre drapeau est également décoré. Ces décorations rendent hommage aux Bruchions tombés au champ d'honneur. Leur nom sont gravés sur des plaques de marbre au sein même du quartier Henri IV, afin que nous nous souvenions de leur sacrifice. D'autres ont servi la France autrement, mais non moins vaillamment. Hauts fonctionnaires, ingénieurs, chefs d'entreprise, professeurs, artistes et écrivains, ils ont fait leur, la devise du Britannée, noblesse oblige, bahut aussi. Vous en êtes des héritiers. Soyez-en fiers et dignes. Comme eux, il vous faudra travailler avec persévérance et courage, car la voie que vous avez choisie est exigeante. La grande famille Bruchionne vous soutiendra dans cet effort. Le corps professoral et l'encadrement militaire accompagneront vos pas. Il vous faudra certes parfois sacrifier les loisirs et la détente au travail, mais si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Ne vous laissez pas séduire par le mirage de pseudo-traditions. Ces activités ternissent trop souvent l'image du bahut, et dans le contexte international actuel, vous prenez surtout le risque de vous faire instrumentaliser par nos adversaires. À l'inverse, cultivez l'esprit de corps. Montrez votre détermination à défendre les valeurs de notre pays, comme nos illustres anciens l'ont fait avant nous. Adoptez en toutes circonstances un comportement exemplaire et une tenue irréprochable. Vous serez ainsi les ambassadeurs rayonnants du Britannique. Je sais que beaucoup d'entre vous le sont déjà, comme vous en avez fait la démonstration lors des dernières journées européennes du patrimoine. Comptez sur vos cadres, vos professeurs et moi-même pour vous guider vers la réussite et porter haut les couleurs du Britannée national militaire. Vos parents sont venus vous admirer, ils sont fiers comme je le suis. Soyez chacun à votre place, un des fils de soie dont est tissé notre drapeau. Leur agencement savant en fait une étoffe majestueuse qui, malgré les assauts du vent, ne se délite jamais. Ce drapeau, qui bientôt va passer devant vous, est le symbole de cette unité. Bruchion, voici votre drapeau.
Le drapeau du Britannée National Militaire est décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre 1914-1918, de la Croix de guerre 1939-1945 et de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Le Britannée National Militaire est titulaire de 3 citations à l'ordre de l'armée. Décret du 20 septembre 1926 portant attribution de la Croix de guerre 1914-1918. Les écoles militaires préparatoires ont instruit dans l'amour de la patrie et dans le culte des vertus militaires des générations d'élèves qui ont fourni pendant la guerre une pépinière de cadres et de soldats valeureux qui, par leur héroïsme et leur abnégation, ont maintenu les hautes traditions morales que leur avaient léguées leurs aînés. Thank you.